Yeah.
fait pour la famille Jean. Dans la prière avec Pasteur Michel Chan, il m'a fait première requête de prière dans cette cérémonie bénie à la gloire de Dieu. Et nous allons procéder à la lecture avec notre frère Cédric. Inclinons-nous pour la prière. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom de gloire. Non pas à nous, non pas à nous, Éternel, mais à ton nom de gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Nous ne pouvons pas nous remercier, Seigneur, tellement grand, tellement fidèle, tellement réel. Nous ne pouvons pas nous remercier du puissant pour j'en ai gardé, pour j'en protégé, malgré nous, pour faire pour nous, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous remercier du puissant parce que j'allais les lèvres pour concevoir un mariage entre une vraie fille avec un vrai homme. Nous nous remercions tout puissant pour avoir permis ça, pour te planifier les biens au lacal. Malgré tout ça, il y a été fait tout puissant. Malgré la planification parle, mais quand tu es jusqu'ici, ou passé, ou fait, à la puissance. Nous nous remercions tout puissant pour que tout le monde râle de nous saluer quand tu es. Frébert, c'est anti-là, ou râle du diable à tout puissant, que tu es dans ton criminage. M'en dis certainement, avant de détester ça, ou pas très loin de mon criminage, on te révèle, nous pouvons marier, essayer de faire. Ou faire notre vie et l'union, nous connaissons le balade à content, nous connaissons le tigeant à nous connaissons le Seigneur, et celui pas content, mais au même, ou faire. Nous remercions du puissant, et nous sentons, Seigneur, pour continuer à étonner le monde, ou étonner nous. Quel va offrir du puissant, et ça nous a fait, nous. Pas de l'autre qui t'appelle encore. Pas que tout ça qui t'a fait comme force nous. Mais souvent avec nous, nous connaissons pas qu'à bon tout puissant. Nous remercions Seigneur. Après midi ça, nous remettons le monde en Dieu. Que continue d'adoration, que mon prière, que mon encouragement, que tout ça que vous faites par le Seigneur, que vous-même, vous va passer la dimension que vous-même vous-même pensez. Vous va passer la dimension, vous va faire ça que vous faites là, au nom de Jésus. Vous va accompagner le leader de nous. Pasteur, au nom de Jésus, va rentrer, va croiser Dieu, va faire sortir le cérémonie ça de Dieu. T'en prie, accompagne-nous. Fais-nous grâce, Seigneur, pour ce qu'on est, victoire n'est pas assurée. T'en prie, aidez-nous, allez-nous, guidez-nous. Orientez-nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. On ne va plus entendre des mots qui vont nous dire, mais au nom de ton fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Disons ensemble merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Disons ensemble alléluia. 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 Nous trouvons la lecture de ce soir dans le livre des Éphésiens, le chapitre 5. Nous allons commencer à lire au verset 2, 3e et jusqu'à la fin. Je vous demande de bien de prêter votre écoute. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême de Dieu, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous
aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu.